With posture upright and stable, we are seated at the foot of the Bodhi tree. Body, speech, and mind are one in stillness. There is no more thought of right and wrong. Our mind and body dwell in perfect mindfulness. We rediscover our original nature, leaving the shore of illusion behind. Noble Sangha, diligently bring our minds into meditation. Namo Shakya Munaye Buddhaya. Sangha, unifiant tout notre être dans la méditation. Namo Shakya Munaye Buddhaya.
Breathing in, I am aware of my in-breath. Breathing out, I am aware of my out-breath. In-breath, out-breath. J'inspire, je suis consciente de mon inspiration. J'expire, je suis consciente de mon expiration. Inspiration, expiration. Breathing in, I go back to the island within myself. Breathing out, I feel safe. Back to my island, feel safe. J'inspire, je retourne dans l'île en moi-même. J'expire. Je me sens en sécurité. Retourne dans mon île en sécurité. Breathing in, I visualize a bodhisattva of great compassion, a real person whom I've known, have witnessed. Breathing out, I know that compassion is real. Real person with great compassion. Compassion is real.
J'inspire, je visualise un bodhisattva de la grande compassion, une vraie personne que j'ai connue, dont j'ai été témoin. J'expire, je sais que la compassion est réelle. Vraie personne de grande compassion, compassion est réelle. Breathing in, I visualize an act of compassion that has come from myself, even if it is only something small. Breathing out, I know that compassion is real in myself. Act of compassion from myself. Compassion is real in me. J'inspire, je visualise un acte de compassion qui est venu de moi-même, même si c'est quelque chose de petit. J'expire, je sais que la compassion est réelle en moi-même. Acte de compassion venant de moi. Compassion est réelle en moi.
Breathing in, I'm aware of a small child crying in me. Breathing out, I feel compassion for the small child in me. Small child crying in me. Feel compassion. J'inspire. Je suis consciente d'un petit enfant qui pleure à l'intérieur de moi. J'expire. Je ressens de la compassion pour le petit enfant en moi. Petit enfant en moi qui pleure. Compassion pour l'enfant. Breathing in, I know I can listen to the little child in me. Breathing out, I listen with all my heart. Listen to the little child. Listen with all my heart. J'inspire. Je sais que je peux écouter le petit enfant en moi. J'expire, je l'écoute de tout mon cœur. J'écoute le petit enfant. J'écoute de tout mon cœur.
Breathing in, I'm aware of the little child in someone who has made me suffer. Breathing out, I listen deeply to the little child in someone who makes me suffer. Little child of the one who has made me suffer, listen deeply. J'inspire, je suis consciente d'un petit enfant dans une personne qui m'a fait souffrir. J'expire, j'écoute profondément le petit enfant dans la personne qui me fait souffrir. Petit enfant dans la personne qui m'a fait souffrir. Je l'écoute profondément. Breathing in, I see how listening deeply helps the other suffer less. Breathing out, I see how listening deeply liberates us both. Listening deeply helps suffer less. Listening deeply liberates us. J'inspire, je vois que l'écoute profonde aide l'autre personne à moins souffrir. J'expire, je vois comment l'écoute profonde nous libère tous les deux. L'écoute profonde aide à moins souffrir. L'écoute profonde nous libère tous les deux.
At the sound of the small bell, please stand up. Together we will face the altar with joint palms, coming back to our breath, connecting to the collective energy of mindfulness. Au son de la petite cloche, nous allons nous lever et nous allons nous tourner vers l'autel avec les mains jointes. Nous revenons à notre respiration consciente dans une énergie collective de la pleine conscience. A prayer for all who suffer from conflict. We, the multifold community, have gathered in this moment to send our love and spiritual energy to support all Palestinians, Israelis, and other peoples caught up in the tragedy of the latest conflict in the Middle East. Our prayer is also for Ukrainians, Russians, the people of Sudan, and all who presently suffer from war. There are more than 100 armed conflicts going on around the world, some of which have lasted more than 50 years. May all people be safe and secure. May they find peace in themselves, even as they live daily with danger and hardship. May our world leaders be awakened to the energy of compassion, so that together they bring an end to the killing and immense suffering caused by war. Together, may we actively cultivate openness, non-discrimination, and non-attachment to views so that we may transform violence, fanaticism, and dogmatism that are at the very roots of war and conflict. In this moment, we invoke your name, Avalokiteshvara. We aspire to learn your way of listening in order to help relieve the suffering in the world. We will listen with all our attention and open-heartedness. We will listen without prejudice. We will listen without judging or reacting. We will listen in order to understand. We will listen so attentively that we can hear what the other person is saying and also what is being left unsaid. Just by listening deeply, we already alleviate so much pain and suffering in the world. Une prière pour tous ceux qui souffrent des conflits armés. Nous, la communauté multiple, sommes réunis en ce moment pour envoyer notre amour et notre énergie spirituelle afin de soutenir tous les Palestiniens, les Israéliens et les autres peuples pris dans la tragédie du conflit au Moyen-Orient. Notre prière est aussi pour les Ukrainiens, les Russes, le peuple du Soudan,
et tous ceux qui souffrent actuellement de la guerre. Il y a plus de 100 conflits armés dans le monde. Certains durent depuis plus de 50 ans. Puisse toute personne être en sécurité et trouver la paix en eux-mêmes, même s'ils ou elles vivent quotidiennement dans le danger. Puissent nos dirigeants internationaux s'éveiller à l'énergie de la compassion afin qu'ensemble, ils mettent fin aux tueries et aux immenses souffrances causées par la guerre. Puissions-nous cultiver activement l'ouverture d'esprit, la non-discrimination et le non-attachement aux opinions afin de transformer la violence, le fanatisme et le dogmatisme qui sont à la racine même de la guerre et du conflit. En cet instant, nous invoquons votre nom, Avalokiteshvara. Nous aspirons à apprendre votre manière d'écouter afin d'aider à soulager la souffrance dans le monde. Nous écouterons avec toute notre attention et ouverture du cœur. Nous écouterons sans préjugés, sans juger, ni réagir. Nous écouterons pour comprendre et écouterons si attentivement que nous pourrons vraiment entendre ce que l'autre personne dit et aussi ce qui n'est pas dit. En écoutant profondément, nous atteignons déjà beaucoup la douleur et la souffrance dans le monde. Now we touch the earth 3 times. Thank you for your practice. Merci pour votre pratique.